Un triangle et un carré ont le même périmètre. Les côtés du triangle mesurent 15,5 cm, 11,6 cm et 8,9 cm. Question, quelle est l'aire du carré en centimètres carrés? Dessinons un triangle et un carré. Le dessin ne doit pas nécessairement être tout à fait précis. Un schéma suffit. Nous savons que les trois côtés du triangle mesurent 15,5, 11,6 et 8,9 cm. Donc le périmètre de ce triangle vaut la somme de ces trois nombres, c'est-à-dire 36 cm. Appelons X le côté du carré. Alors nous savons que le périmètre du carré, c'est 4 fois X. Oui, mais le périmètre du carré, c'est le même que celui du triangle, c'est-à-dire 36. Et par conséquent, 4 fois x est égal à 36, d'où nous déduisons que le côté du carré mesure 9 cm. Et donc, l'aire du carré qui est côté fois côté vaut 9 fois 9, c'est-à-dire 81 cm au carré. Et par conséquent, le E est la bonne réponse. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympiade mathématique.